Magabin logiciel. Tous les Africains dans leur culture. Ne laissons pas nos enfants perdre leurs racines. Avec le Mangame, installation culturelle pour nos enfants. Incitation pour la culture, incitation pour l'aventure en Afrique. La sagesse pour vaincre l'érosion, l'érosion monétaire, l'érosion de nos langues, l'érosion de notre culture, maman. Ignorer ses origines, c'est s'ignorer soi-même. Ne laissons pas nos enfants perdre leurs racines, maman. Apprenons le Medjumba, le Bamileke, le Swahili, le Wolof. Apprenons nos coutumes, nos religions, notre sagesse. La sagesse des anciens, la sagesse des anciens Africains, la sagesse pharaonique, la sagesse des Dogons, la sagesse baoulée. Celui qui ignore sa sagesse ignore soi-même. Oh, il ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir avec la sagesse des autres. Incitation culturelle, incitation culturelle. Installez vos logiciels, installez vos logiciels. De la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Incitation culturelle, incitation culturelle. Installez vos logiciels, installez vos logiciels. De la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Hop. La culture africaine, l'une des furies du monde, maman. Berceau de l'humanité. Des grandes civilisations antiques. La sagesse africaine traditionnelle reste l'une des véritables sources d'inspiration de la sagesse moderne. Chaque peuple a sa sagesse. Les Chinois ont leur sagesse. Les Arabes leur sagesse. Les Indiens ont leur sagesse. Les Européens leur sagesse. Ils appliquent leur sagesse. Chaque peuple applique sa sagesse. La sagesse d'un peuple est son logiciel de fonctionnement. Nous avons jeté notre sagesse. C'est pour ça que nous sommes les derniers. C'est pour ça que l'Afrique est dans la misère. Alors qu'elle est riche. Alors que nous sommes riches. Le sous-sol est riche. La surface est riche, mais les hommes sont pauvres. Parce qu'ils appliquent la sagesse des autres. Parce qu'ils appliquent le logiciel des autres. Incitation culturelle, incitation culturelle. Restallez vos logiciels, restallez vos logiciels. De la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Installation culturelle, incitation culturelle. Restallez vos logiciels, restallez vos logiciels. De la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Hop, hop, hop. Où vas-tu, monsieur Wans? Je m'en vais à ta mairie. Pourquoi appelle monsieur Wans? Pour faire le pèlerinage sur la tombe de Toutankhamon. Où vas-tu, mamie Sok? Je m'en vais à Bangaté. Pourquoi faire mamie Sok? Pour faire le pèlerinage sur la tombe de mes ancêtres. La sagesse d'un peuple est son logiciel. Si tu prends le logiciel de quelqu'un, tu ne peux faire que ce que lui il a programmé. Tu deviens son esclave, tu deviens son ouvrier. Les Africains sont en esclavage, esclavage de l'esprit. Si vous voulez sortir de l'esclavage, il faut faire un retour aux sources. Il faut retourner à votre savoir, oh, le savoir ancestral. Le premier savoir de l'humanité, maman. Le savoir des gamines. Le paradigme africain. Centre de gravité. Incitation culturelle, incitation culturelle. Installez vos logiciels, installez vos logiciels. De la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Incitation culturelle, incitation culturelle.
sagesse révolutionnaire, la sagesse révolutionnaire, de la sagesse africaine, de la sagesse africaine. Dansez le mangambo, dansez le mangambo. Hop, hop, hop. Oh bignan mangambo maman, oh bignan mangambo. Oh bignan mangambo maman, oh bignan mangambo. Mangambo logiciel maman. Mangambo de la sagesse, mangambo logiciel maman, mangambo de la sagesse. Le mangambo, c'est un élément du logiciel africain. Si vous chantez le mangambo, vous dansez le mangambo, vous serez reprogrammé dans le logiciel africain, le logiciel de la sagesse. Mangambo logiciel maman, mangambo de la sagesse.